Yo yo les mecs, salut les techniciens, salut tout le monde. Ça va quoi les gars? Tranquille. Donc j'en ai pas mal, j'en ai 7. Ce qui est pas mal hein, ça fait 7 joueurs minimum à noter 85 de général. Et puis j'ai un joueur rare, noté 86 plus aussi. Rapportez-moi des animations s'il vous plaît. On a besoin de grosses notes là, j'ai pas beaucoup de grosses notes dans mon club. Enfin j'ai des grosses notes mais c'est des joueurs que j'utilise. De toute façon c'est sûr que c'est une animation. Enfin non, ça peut être un 85. Putain. Mais pourquoi j'ouvre ma gueule? C'est qui 85? Icardi? Ok, une forme animation. Allemagne. Neuer. Mais non, putain. Leno 86. Pourquoi tu me donnes pas Neuer? Il est pas dans les packs les gars Neuer. Ter Stegen 92 aussi. Bordel, en fait il y avait mieux que Leno. Moi je veux voir d'autres couleurs là. Voilà, c'est quoi ça? C'est un UCL portugais. Là je collectionne des cartes pour les mettre de côté pour ce SBC et pour d'autres SBC aussi. Ah, je pense pas qu'il n'y a que Williams qui va gagner. Ça va jouer entre Isco et Bernardo Silva, je pense. Encore un informe. C'est Son. Wesh. Son, c'est bien. Il est noté combien? C'est lequel aussi? Oh, 91. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, j'étais pas prêt. C'est quoi ça? Ah oui, il coûte quand même plus de 150 000 crédits. Il coûte 200k quoi. Ah oui, pas mal du tout. Ok. Me redonne pas un mec que j'ai déjà. Eriksen. Ok, Eriksen, c'est combien? C'est 89. C'est bien, c'est très bien. C'est génial. 89 de général. C'est un 85-92. Donc en soi, on est bien. Tamax, Pogba, Griezmann, ouais. Non, c'est Future Star. C'est qui? Oh, Diaby. Putain, c'est Diaby Future Star, 85. Putain, c'est nul. 85 de général, je pensais que ça allait être un gros truc. Y'a qui en français en fut? Ah, y'a Camara, merde. J'aurai un 86 max. On fait le pari? Si j'ai un 86, les gars, je donne un sub. C'est parti. Les paris sont lancés. Informe. Espagne, ça s'appelait Parero, un truc comme ça. Parero? Non, ça va être Cazorla. Ah là là, Yesport, ils aiment bien quand je paye, hein. Ils aiment bien quand je paye. Oh là là, Bosch. Je m'appelle Bosch, qui gagne le sub. Bravo à toi, frérot. J'ai bien envie de faire des drafts pour taper les summer hits, là. Il y a Saint-Maximin qui est sorti en buteur. Il a l'air très, très sale. Venez, on joue en 4-4-1-1. Eh, quoique. Saint-Maximin, il est en buteur. Saint-Maximin. Oh! Mais mec, je suis en 4-3-1-2. Pourquoi tu me donnes Baldé? Mais moi, je mets... En plus, il me le met en DD, genre. Ils vont pas respecter. On va prendre Michael. Michael Owen. Bon, c'est pas le 80... C'est pas le prime ni le prime moment, mais bon. On va évidemment prendre Zizou. Ah mais non, mais si tu me donnes Pogba, faudrait un DC allemand du coup. Ou Ferdinand. Ferdinand, ça me convient très bien aussi. Hein. Il y a Hiro aussi, mais bon. On va prendre Ferdinand. Surcoté l'anglais, non, t'abuses. Vanda... Bah, ils m'ont donné les deux, les gars. Je prends les deux. Je prends Ferdinand et Hiro. Bah là, du coup, on peut prendre n'importe quel gardien. Et ça sera... Ok. On a un trio en défense, là, ici, là. Eh, les gars, je prends Jesus Corona. Il a double 5 et tout. Parce que Hudson Edouard, il a une sacrée carte. Il fallait bien qu'on tombe sur ce chacal. Il fallait bien qu'on tombe sur lui. On fera une attaque Kent et Balde Diao, non? Enfin, je sais pas comment on va faire. Mais comme par exemple, on joue en 4-3-1-2, il me donne que des mecs en AG et en AD. Il y a Kent, Bale. Il y a Balde Diao qui est en MD. Genre, ils font exprès. Vous voulez vraiment, en fait, qu'on se fasse éliminer au premier tour? C'est ça, votre délire? Vas-y, vas-y, on va jouer comme ça, vas-y. Frère, l'adversaire, il va voir au Campo Soka et il va se foutre de notre gueule. Il a qui en attaque? Me dis pas que c'est Cruyff. Mais mec, on va se faire exploser. Il a mis les mains à droite. Mais il a Cruyff, on va se faire éclater. Il va tirer, il va marquer. Mais qui? Mais il fait quoi, lui aussi? Pourquoi tu quittes à Cruyff Prime moment? Ah, il doit faire OMG 195. Mais on va retomber sur Cruyff, en plus. Mais putain, mais y'a Cruyff, y'a Hulk, y'a Garincha, mais tu veux que je fasse quoi, ma contre ça? Non, 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 Cruyff. Eh, mais Ocampos, Sokage, il est fort. Il est chauve en plus, Ocampos. Moi, je veux ma caméra, avec la caméra, c'est beaucoup plus simple.
Il fera aucun arrêt au campus, il est claqué. C'est ça, Balde Diao. Pas mal, Balde Diao. Bon, après, bon, voilà, il est pas mal quand même, Kent. Putain de merde. Heureusement qu'il est pas sorti en SBC. Pogba. J'ai découvert un joueur ce week-end. Pogba, il est vraiment trop fort. Hein. Il y avait Dembouz et l'autre, c'était Meunier, non? C'est Meunier, hein, ça? Il doit être en MDC, du coup. Ah, c'est... Il a fait 3 tirs, 3 buts. Ah, c'est pas lui que je la donne. Voilà, c'est pas grave, on a le meilleur joueur du jeu, c'est n'importe quoi. Et il a raison de prendre son temps, parce que dès qu'il frappe, il marque. Non, ça doit pas passer. Oh, heureusement que je décale mon gardien, heureusement que je décale Ocampos. Allez, Bale. Allez, Bale. Allez, Bale. Gareth, le golfeur. J'ai encore le ballon en plus. Ça se voit que c'est la 90e, Théma, regarde. Enfin, ça se voit que c'est les arrêts de jeu. Gros, mais arrêtez, mais gros, mais il y a Promesse, Cruyff, Garincha, tu... Je dois faire quoi, moi, contre eux? Il va encore tirer 5 fois, il va marquer 7 fois. Ces summer hits, elles sont... C'est n'importe quoi court. Mais regarde! Il y a pénalty, moi, je sais. Je joue comme une PUTE, gros. Ah, dommage. Je tente des trucs, gros, je devrais même pas tenter ça. Je joue comme ça en fut champion, je vais me faire casser la gueule. Je vais me faire casser la gueule. Là, c'est la draft, c'est drôle, tu vois. Gros, il peut tirer n'importe où, hein. Mais après, j'aime pas trop avoir la même carte, là, dans mon club. J'ai que des summer hits, c'est un truc de malade. Tellement cet event, il est bien, j'ai que des summer hits. Tire pas, tire pas, tire pas. Non, non, non. Je mets gros, mais Ocampos, il est de tension aussi. Zlatan dans les SBC de Ribéry. Ça va, on va dire, c'est un bon échange. Mbappé, ouais, très fort. Gardez-le aussi, Mbappé, hein. Vous allez tous les mettre dans les SBC. En tout cas... On gagne les deux premiers matchs, c'est cool. Et Kent, il a marqué 6 buts en 2 matchs. Je pense pas qu'Mbabu, il soit nul. Oh, il a Mendes. Oh, il a Mendes. Il est noté 93 de général. Oh, il a mis 10 ans pour tirer. Ouais, c'est pas grave, on a un peu de réussite. Non, Zlatan, il tient pas debout. Moi, je le joue souvent, Zlatan, il tient pas debout. Faut esquiver, justement, les contacts avec Zlatan. Et quand t'arrives à les esquiver, je trouve qu'il est hyper fort. Surtout quand t'es bien placé en attaque. Mais plonge! Oh putain! Bien vu ça, Balde Diao. La défense elle est excellente, hein. C'est ouf. Si le mec il passe pas et qu'il tire pas, on est tranquille en vrai. Là, Hierro primement et puis Ferdinand primement, c'est très fort. Il lui donne peut-être parce qu'il a une carte headliners. Et du coup, s'il augmente, bah. Putain! C'est quoi cette bicyclette de Ribéry? Évidemment. Évidemment, c'est le seul et l'unique. 8 tirs et 8 cadrés, on était plutôt précis hein, dans nos frappes. 100% de pression de tir comme l'adversaire. La virgule est inarrêtable. Elle est défendable. Après, quand tu sais la placer, c'est autre chose.
Là, quand tu te mets un peu en biais avec la virgule, si le mec il me presse pas, c'est sûr qu'il va prendre cher. Oh, il a un 99, c'est qui? C'est Pelé? Maradona. Ah, c'est l'un ou l'autre, de toute façon. Oh, il a Gulli. Ouais, c'est quoi cette équipe? Oh, Campos! Oh putain. Heureusement que la frappe, elle était dégueulasse. Par contre, c'est éclaté comment il joue. Hein. Non, c'est pas comme ça que je la voulais. Quoique, Cimer. C'est gentil. Putain, je suis dessus. Oh, je suis encore dessus. Non. Bien joué, Ocampos. Heureusement que je te déplace. En vrai, faut le déplacer, Ocampos, à mort. Vous avez vu les gars sur la virgule? Il contrôlait pas son Ferdinand et du coup, il a défendu tout seul. Pour défendre la virgule, les gars, défendez pas, c'est tout. Elle est belle. Ah mais c'est bon, 2. Ah, 3? Wesh, mais les mecs, les 4 temps vont redescendre, non. Esport là, on voit très bien qu'ils veulent faire durer l'augmentation des 82, 83, 84. Les 84 vont coûter 10 cartes, comme ça, à ceux qui sont en bonne ligue, avec des bons liens et tout. Les Rugani, en 82, il va coûter cher aussi, je pense. C'est quoi, je vais mettre Léo. Pour la dernière. Et on fait ça. Bam. Là, on a Messi, donc c'est bon. On enroule. Praline. C'est fini. Terminares, les gars. Bon, bah, du coup, on a gagné une draft avec Ocampos au cage. Bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme récompense? C'est un peu nul. Les 4 packs, c'est un peu nul. Mais... les packs à 25K, si ça rapporte un petit 83, 84, ça peut être lourd. Ouais, non, ça va être compliqué dans les packs à 5000 crédits. Ah là là, je fais 0 AR, ça fait un mois que j'ai pas fait d'achat-vente, plus d'un mois. Je crois que j'ai stoppé l'AR, mais j'ai fini le jeu, frérot. Moi, j'ai plus rien à faire sur le jeu. Bon, on a 2 packs à 25000 crédits. Là, il faut espérer un petit truc, en vrai. Il faut vraiment espérer un petit 83. 83 minimum, même 82 minimum. Allez, un 82. Mais arrêtez de me donner des roumains, il se passe quoi avec les roumains? Je crois qu'il y a un truc, oui. Yes, c'est un uniforme, animation, Italie, DC, Acerbie. Oh, c'est la base, lui. Acerbie 85, on a remboursé la draft. Cool, 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 cool. Il vaut 13 000, non? Oh! Mais là, on a v'là remboursé la draft. Une carte Halloween. Ouais, oh, Berwin, il vaut cher aussi. Ouh, ça va. Dernier pack, les gars, qui nous sauve. En tout cas, les mecs, de toute façon, on se retrouve demain pour les récompenses. Donc, récompenses élite. J'ai rien compris ce week-end. On a fait 3 défaites au tir au but. On était en 16 victoires et 7 défaites. On a enchaîné des victoires et on a fini élite. Donc, demain, on aura des récompenses élite. Donc, c'est cool. J'ai pas trop une bonne expérience avec mes récompenses élite. J'ai plus de lourd en faisant hors 1 que élite, mais bon. Donc, voilà. Passez une bonne soirée, les gars. Et on se dit à demain. Ciao, les mecs.